dans cette nouvelle vidéo. Alors, la question aujourd'hui est, que sont devenues mes expériences des deux dernières vidéos? Comme tu peux probablement le deviner, d'après ce titre, j'ai décidé de jouer avec les papiers sur lesquels j'ai expérimenté l'aquarelle et les crayons New Color 2. Et je mettrai le lien vers les deux vidéos précédentes dans la description en dessous de cette vidéo. Et si tu me suis sur Facebook, tu as probablement déjà vu la transformation de ce papier, la transformation que ce papier avait subi, on peut dire. Ou peut-être devrais-je dire cette page, parce que maintenant, c'est une vraie création. Donc, comme tu peux le voir, j'ai ajouté un peu, là, c'est on peut dire les échantillons quand j'ai expérimenté avec l'aquarelle et aussi avec les New Color 2. Et ensuite, donc, j'ai joué avec des pochoirs, des tampons, des stylos Posca qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, avec les New Color 2, j'ai ajouté des couleurs et c'était vraiment super. Je me suis amusée à fond. Et maintenant, je t'invite donc à t'asseoir et te détendre, peut-être avec une bonne tasse de thé, tout en regardant ce que sont devenus les 6 autre page. Thank you.
Et maintenant, juste avant de te montrer donc les six créations, ou plutôt les six fonds, je voudrais te demander si tu as remarqué le processus créatif dans cette vidéo. Comme toujours, je n'ai rien prévu. Une chose entraîne spontanément à une autre. Et tu as probablement aussi remarqué que j'ai utilisé plusieurs techniques et rien de tout cela était prévu. Je me sentais très présente, seulement consciente de ce qui se passe sur la page, devant moi, en ressentant ce que voulait être la prochaine étape. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quand on est présente, c'est comme on reçoit un message, mais pas un message en parole. C'est un ressenti, ce qui devrait être la prochaine étape. quand j'ai par exemple remarqué qu'il restait un peu de peinture sur ma palette, j'ai spontanément su ce que je devais en faire et j'ai inventé les techniques au fur et à mesure. Qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, en fait, cette manière de créer est vraiment, c'est la meilleure façon de créer. Quand je regarde maintenant les pages, je vais feuilleter un petit peu. Les six pages. En fait, quand je les regarde maintenant, je suis tellement, comment on peut dire, surprise de la façon dont elles sont sorties. J'aime beaucoup l'énergie que je ressens d'elles. Et bien sûr, j'ai hâte de continuer à jouer avec elle et je suis très curieuse aussi de voir ce qui va se passer. Peut-être dans la prochaine vidéo, je te montrerai ce qu'elles sont devenues. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ta présence sur ma chaîne. Et n'oublie pas de me laisser les commentaires, c'est toujours intéressant de lire les commentaires. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas, tu peux t'inscrire et tu peux allumer la petite cloche de rappel, comme ça tu ne vas rien manquer. Tu seras rappelé quand il y a une nouvelle vidéo. Donc, bonne continuation avec tes propres créations et prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une autre nouvelle aventure créative.